c'est Monsieur Idriss Diallo qui nous a amené cet entraîneur et les gens du COCAN qui nous ont organisé cette CAN Mbrakata. Au stade où nous sommes arrivés, nous demandons au président de la République, Excellence Monsieur le Président Papa Addo, même si vous nous demandez un deuxième mandat, nous on vous donne ça. Quatrième mandat, nous on vous donne. Mais nous voulons simplement, pour qu'on vote pour vous avec joie et honneur, là, donnez-nous la tête de Idriss Diallo et la tête d'Amicha. Ce sont ces deux têtes que nous on veut. Prochaine élection, là, même si vous voulez, ne soyez même pas candidat, nous on va vous imposer. Mais les deux là, donnez-les nous. Didier Drogba doit prendre la Fédération Ivoirienne de Football, la tête de la Fédération Ivoirienne de Football. Si ce n'est pas le cas, moi-même là, je dépose à terre ma démission et je me retire. Je ne peux pas accepter cette humiliation. Je ne peux pas. Mais nous savons que les ennemis de la Côte vont retourner la situation pour essayer de faire maintenant de la manipulation, pour nous révolter contre le chef de l'État. Non, moi je n'ai pas à lui. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a joué ballon. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a sélectionné l'entraîneur. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui faisait les remplacements. Ceux qui sont comptables, ils n'ont qu'à venir s'expliquer devant le peuple de Côte d'Ivoire. Leur arrogance et leur orgueil doivent prendre fin désormais. Je serai le pire cauchemar. Je l'ai dit et je le confie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toute cette semaine est déclarée semaine opération Idriss Diallo démission. Nous allons prendre le soin de créer des pétitions. D'où nous allons créer une pétition pour 1 million de pétitions pour demander la démission de Idriss Diallo à la tête de la fédération et le retour de Didier Drogba à la tête de cette fédération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande à tous ceux qui sont connectés, qui sont d'accord avec ce que je dis, de m'écrire sur mon WhatsApp un seul message. Je vous dis, général, au-delà de la défaite, je prie que cette année ne soit pas une défaite pour ta vie. Je prie que cette année ne soit pas une défaite pour ton commerce. Je prie que cette année ne soit pas une défaite pour ton mariage. Demain, je vais vous donner le secret et ce qui a manqué et le secret le plus dangereux pour vous permettre de réussir cette année. Envoie-moi un message sur mon WhatsApp. Tu dis, général, je veux mon cadeau et je veux la prière de 2024. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp maintenant. C'est le 0033-00225. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Merci à toi, Tag, pour les cadeaux. Merci. Écrivez tous Idriss Diallo démission. Je répète, le 00225-07-48-79-85-85. L'équipe qui mérite de remporter cette Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal. Le Sénégal est tenté de nous prouver qu'ils sont des véritables panafricains. Le Burkina, le Mali, la Guinée sont des pays voisins. Donc je vois leur patriotisme. Ce ne sont pas des grandes équipes qui n'ont pas de Coupe d'Afrique. Mais quand tu regardes leur jeu, tu vois qu'ils sont prêts à mourir pour leur équipe. Les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire, ne croyez pas qu'on vous a oublié. On reviendra à vous plus tard. Il serait important pour vous tous, dès maintenant, de commencer à signer automatiquement votre retraite internationale pour ne plus jamais porter le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire. Tous les joueurs qui ont été sélectionnés, en dehors des blessés, Haller, Zaha et autres, qui ont été exclus, tous ceux qui ont joué, déposez le tablier. Vous ne méritez plus jamais la confiance de la Côte d'Ivoire. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi notre confiance. Et jamais on ne vous pardonnera cette trahison. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait contre nous. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir démontré que dans notre propre pays, on peut venir nous humilier et puis aller en face. Merci de nous avoir humiliés. Je rappelle mon WhatsApp. C'est le 00225-07-48-79-85-85. Je répète encore. Le 00225-07-48-79-85-85. Je termine encore. Le 00225-07-48-79-85-85. Écrivez-moi maintenant, dit général. Je veux mon cadeau et je veux la prière de 2024. Écrivez-moi maintenant. Dites général, je veux mon cadeau. Et je vais la prière de 2024. Je veux recevoir maintenant 10 000 personnes qui vont m'écrire. Et je rappelle à tous ceux qui me suivent. Mathieu, le programme de la France. Le 23 mars. Je répète. Le samedi 22. Attends, le samedi 23 mars. Mathieu, l'affiche du programme de la France. Le samedi 23 mars. Se tiendra au niveau de la France
la première veillée exceptionnelle intitulée « L'heure de ma grâce et de ma gloire a sonné ». Les Juifs utilisent ce parfum, très secret et redoutable, dans le but de contrôler les finances. C'est le parfum de la myrrhe. J'ai décidé de le remettre gratuitement à 1000 personnes qui sont au niveau de l'Europe. C'est ce qui me permet dans le domaine des affaires de faire des chiffres d'affaires extraordinaires. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fait 4 millions de chiffres d'affaires. Ouais, c'est ouais. Mon sac est où là? Et c'est grâce à cela, grâce à cet élément. Donc tous ceux qui sont en train de me suivre à cet instant précis, qui sont au niveau de l'Europe, de la France, de la Belgique, de l'Italie et autres, écrivez-moi maintenant sur le WhatsApp que je vous ai donné. Le 00-225-07-48-79-85-85. Du général, je veux mon cadeau. Rapidement. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est la recette du jour. Ça, c'est la recette d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, là, voici sa recette. 4 millions de francs CFA. Grâce au parfum de la myrrhe que je veux donner gratuitement aux 3000 personnes qui sont au niveau de l'Europe, qui vont m'écrire maintenant sur mon WhatsApp, qui est le 00-225-07-48-79-85-85. Laissons notre colère. On a perdu. On a perdu. On est éliminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chacun va se concentrer sur sa réussite en cette année 2024. C'est fini. C'est fini. La Coupe d'Afrique pour nous, c'est fini. On est éliminé. On va maintenant se concentrer sur notre réussite en 2024. Tout en n'oubliant pas le combat que nous allons mener cette semaine pour la démission de ces sorciers. Je rappelle à tous ceux qui me suivent, qui refusent que cette année soit pour eux une année d'échec, comme l'échec des éléphants, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp qui est le 00-225-07-48-79-85-85. Cette femme-là, regardez-la bien. Cette femme, regardez-la bien. Toutes les personnes qui sont en train d'écrire, ils disent dans leur démission, là, elles mettent tête de mort sur le commentaire. Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Je crois peut-être que vous êtes camerounaise. Mais si tu es une vendeuse de piments qui quitte ton pays pour venir laper les gens dans notre pays, là, faut pas te mêler de ce qui nous regarde ici. Petite chienne. Viens encore mettre un commentaire. Sorcière que tu sois. Tous ceux qui sont en train de mettre, ils disent dans leur démission, elle vient mettre tête de mort. Que Dieu te maudisse. Voilà. La voici encore. La voici encore. Regardez bien. Là, là. Je vous montre. Ils ont mis, ils disent d'ailleurs le seul responsable. Oui. Quelqu'un a mis tête de mort ici. Quand tu cliques sur tête de mort, c'est son visage qui sort. Cette sorcière. Jeanne Zobo. Que Dieu te maudisse. Viens encore commenter encore sur nos différentes pages. Sorcière que tu sois. Enfant maudit que tu sois. Les petits poclés à deux balles. Prenez le sein de vos amis. On est sauvage, hein? On est sauvage. Je rappelle à tous ceux qui sont aux États-Unis et au Canada aussi. Vous avez la possibilité de m'écrire. J'aimerais donner aussi une information à tout le monde. Ces deux livres que vous voyez sont les livres de ma vie. Ce sont les livres de ma vie. Ces deux livres que vous voyez, ce sont les livres de ma vie. Il est impossible d'aller sur Amazon. Trouvez le livre que vous voyez ici. Amazon, vous tapez Marcos Okami dans le rayon livre. Vous prenez ce livre sur quels sont les secrets, comment posséder une année et devenir milliardaire en un an. Ce livre, les secrets de la réussite. Ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, qui veulent recevoir aussi gratuitement le parfum de la myrrhe. Ces deux livres font exactement la somme de 30 000 francs. Je payerai 20 000 francs pour chacun d'entre vous. Le numéro de frère Étienne est marqué juste en bas. Les 1000 personnes qui vont appeler le frère Étienne maintenant ou qui vont lui emmener un message sur WhatsApp pour dire je veux commander mes livres, vous allez recevoir gratuitement le parfum de la myrrhe qui m'a permis de faire 4 millions de francs CFA aujourd'hui. Je vous donne son numéro. Prenez le numéro du frère Étienne. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent recevoir gratuitement le parfum de la myrrhe et qui veulent recevoir les livres du général, c'est seulement 10 000 francs CFA pour obtenir ces deux livres. Vous ajoutez 2 000 francs, on vous fait l'expédition gratuitement. Donc je précise, son numéro est le...